Bonjour à tous, c'est MaxicamFR et on se retrouve aujourd'hui pour le 133e épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve donc comme promis, comme certains l'ont demandé, pour un épisode musée. Mais en même temps, un petit duel commentary, j'en ai profité avec Victor que vous avez pu retrouver plusieurs fois sur la chaîne en duel commentary. Salut. Salut. Voilà, donc épisode musée comme prévu. Alors attendez, faut le temps que je mette en place. Donc on va continuer à mettre de la pelouse un peu partout. Super. Ouais. Alors. Je sais pas trop comment on va faire ça, c'est bien là le problème. Alors donc là, on a dit on fait des micro-parcelles. Après. On veut essayer de faire un espace cool, en mode tranquille. Parce que j'ai pas d'autre idée. Et puis après faudra que je fasse les chemins. Alors. Je veux faire une sorte d'espace pique-nique, puisque j'ai téléchargé sûrement le mode. Excusez-moi du terme, mais le plus con de farming, une table de pique-nique plaçable. Je vais vous montrer ça si vous l'avez pas déjà vu. Truc qui sert à rien, n'est-ce pas? Voilà, c'est absolument ça. Si, ça sert à faire joli. Table de pique-nique plaçable. Caravane plaçable, pour mettre derrière. Le truc qui sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Ça, c'est un truc pour mélanger les aliments, c'est vachement pratique. Voilà, bon. Étape de pique-nique plaçable. What? Le truc qui sert absolument à rien. What? Bon, ça après c'est du feu. Vas-y. Attends. Ah ouais, tiens, j'ai pas dû vous montrer. Alors Vas-y, tracteur en feu. Tracteur. Allez, un tracteur coup de tracteur en feu. C'est quoi cette merde? Bah tu vas voir. Tracteur en feu, n'importe quoi. Ah, c'est la magie de farming. N'importe quoi. Allez, je vais mettre ça dans le musée, un tracteur en feu, je l'enlèverai après par contre. Ça va, t'as pas trop de fric? Non. 111 milliards. C'est pas beaucoup de fric. Alors, le mec le plus riche du monde, ceci est un tracteur, je suis d'accord, pourri, mais en bon état. On dirait le tracteur du GTA, mais encore il est mieux. Ouais. Tracteur attention. Mais ils sont partout. Attends, je vais d'abord aller voir. Je vais prendre mon quad. Bon, déjà, hein. Tu peux alors, mourir par contre... Tu peux mourir dans le jeu? Non. Oh. Et non. Merde. Tu vois, je vais passer dans le feu. Non. Oh, je passe dans non, le non, feu. Bah. Ouais, je crame. Alors, par contre, plus on s'approche, plus, avec, je pense que c'est avec mort réalistique, plus ça active le ventilateur de l'ordinateur, donc sur un gamer, en tout cas, ça marche. Ouais, c'est bizarre. Et donc ça fait un peu du réalistique augmenté, donc c'est pas trop mal. Salut, je suis en feu. J'augmente le ventilateur, comme ça je refroidis. Donc comme quoi c'est pas mal les ordi gamers. Ouais, on a la clim, c'est cool. Ouais, en même temps, c'est vrai que il y a tellement de ventilateurs sur l'ordi, il me semble qu'il y en aura au moins 6 si c'est pas 7. Ça me fait une bonne clim dans le bureau, on va dire. Très bonne clim. Ouais, ça se voit. On est en été, il fait frais dans le bureau. Bon, ok, si tu veux. Alors, on va retourner à la pelouse. Donc là, je vais faire un petit chemin. En mode tranquille. Tranquille et mille, coup de Raoul. À peu près ça. J'ai pas besoin de faire des chemins très larges, hein, parce qu'on n'a pas des outils très très larges. Donc non. On m'appelle pas mon chat. Vous l'avez vu justement, enfin vous l'avez vu, non, mais vous l'avez entendu une fois dans un épisode musée. Ah bon? Ouais. Je peux regarder pas tout. Bah, tu regardes pas tout. En même temps, farming, c'est pas un truc de con, donc c'est un peu normal. Mais c'est que j'étais à 5, voilà.
Donc, alors en espace pique-nique, où est-ce que je vais mettre ça? Oh, quelle galère, ce jeu. Ouais, ça, c'est là où on va ce midi pour pique-niquer. Si, je suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai vu aussi dans... J'ai regardé les statistiques un peu de la chaîne. Il y a de plus en plus de femmes qui me regardent, donc... Bah, c'est sympa, bah je sais plus, mais c'est plus de 20% il me semble, donc c'est plutôt pas mal, ça montre que farming ça intéresse ça intéresse un peu tout le monde. Alors espace pique-nique, on va essayer de pas faire ça trop carré. On va éviter de parler de ces genres de sujets là dans les vidéos. Essayer de faire un truc sympa, hein. Je vais essayer. On va essayer de finir le musée avant Farming 2015, hein. Qui sort, je pense, le fin octobre. Je pense, hein. J'avance rien. Je pense. Allez, on clôture. Non, il n'y a pas de chat dans mon bureau. Hop. Alors, comment on va faire ça? C'est que je voudrais bien placer les objets avec vous tout de suite. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Il va falloir que je la tombe aussi à côté. Je sais pas si je mets un ouvrier, est-ce que ça marche? On va essayer. Est-ce qu'il s'arrête là ou quoi? Non. Bon. Eh ben, on va se débrouiller. C'est que je veux pas faire un musée tout mouche. Je fais ce que je peux. Déjà que moi, c'est pas forcément terrible. Juste, donc... C'est quoi les petits trucs qui ressemblent à des soleils là, sur le tracteur? Là. C'est des traceurs. Ouais. Donc, bah attends, je vais les mettre pour te montrer. Bon, je pense que ceux qui connaissent farming savent ce que c'est. Hop. C'est fonctionnel sur la plupart des semoirs. Voilà, ça fait une trace. Bon, là en l'occurrence, vu la taille du semoir, on n'a pas besoin. Sur un semoir 3 mètres, on s'en sert pas, mais sur un 6 mètres comme j'ai en vrai, c'est utile, on va dire. Ouais. C'est utile. Tant mieux, hein. Un 50 mètres là, il y aurait tout en un coup. Mais ouais, un 50 mètres, bah le jour où tu trouveras un 50 mètres en vrai, bon c'est vrai qu'aux États-Unis ils en sont pas très loin, hein, mais ils sont pas encore à 50 mètres quand même. Ils sont pas encore à 50 mètres. Mais enfin ils ont des semoirs 36 rangs à maïs avec un écartement de 75. Je dois avoir la calculette derrière parce que j'ai la flemme de calculer, oui elle est là. Je vais vous dire ça tout de suite, 36 rangs avec un écartement de 75. Donc 36 fois 75. Si tu sais même plus te servir d'une calculette. Mais elle est lente ta calculette. Oui, assez. 35, putain, je suis con. 36 fois 75. Donc ça fait quand même du 27 mètres. Ce qui est plutôt pas mal. T'es pas trompé dans le calcul, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, ça résonne dans le micro après si tu tapes. C'est bien les micros de studio parce qu'on entend. Non, c'est bien les micros de studio parce qu'on entend avec une bonne qualité, mais par contre, la résonance, c'est pas toujours très pratique. Alors pour aujourd'hui, sinon il me semble pas que j'ai eu de questions particulières, je sais plus. Donc oui, comme j'ai dit, bah, je pense monétiser donc pour acheter un volant fin août. Pas avant parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. J'aurais le temps de m'en occuper, je l'aurais fait, mais j'ai pas le temps. Je suis pas disponible en ce moment. J'ai déjà le temps de faire les vidéos, c'est pas mal. Mais le monétiser, on verra plus tard. On verra fin août. Au départ, j'ai dit, je le fais quand j'aurai 100 abonnés et 10 000 vues.
Là, ça sera plus. Et puis là, je sais même pas si quand j'aurai 500 abonnés, je l'aurai fait. Donc, je suis à 450 et quelques, me semble-t-il. Je me souviens pas exactement. Hop. Alors voilà, on va avoir fait l'espace pique-nique. Je suis en train de me rendre compte qu'il est pas bien grand. Mais... Ouais. Hein. Alors, on va placer les objets. Alors, qu'est-ce qu'on met? Caravane, on verra plus tard. Barrière, non, c'est pas beau. Armoire électrique, on va en mettre une à côté d'un bâtiment. C'est pas que c'est beau, mais c'est pour faire réaliste. C'est pas que c'est beau. Ouais, je parle de la France. C'est pas que c'est beau, hein, mon petit gars. Alors, attends, je trouve la place pour mettre ça. Pourquoi ça loge pas? Pourquoi ça, ça rentre pas dedans ça. Non. je crois que j'ai rien dit. Bon, tant pis, on va mettre le compteur électrique au bord de la rue. Alors, alors, des drapeaux. Oh non, on va pas. Tiens, oui, dans 1.8 de Minecraft, il y a des nouveaux. C'est des drapeaux. Ah, peut-être, c'est possible. Non, alors, une petite charrette, on verra après. On va peut-être commencer par mettre des arbres. Alors, on a plusieurs arbres. Je sais pas ce qu'on va mettre. Parso, je mettrais bien comme ça. Ouais, allez, on va mettre un petit comme ça. Oh, mais c'est que c'est gros, oui. J'allais dire, je vais mettre un petit comme ça, mais... Bon, ça fera de l'ombre à côté de la table de pique-nique. Ouais, bah, ça ira. Donc, on va en mettre un comme ça. Et puis un autre... J'aime pas les grands, ils sont pas beaux, ceux-là. Non, c'est ceux-là qui sont pas beaux. On va mettre un comme ça. Bon, ça fait la même taille. Hop. Et puis après, je ferai peut-être un autre espace un petit peu plus loin. Avec des bancs. Donc là, c'est espace pique-nique. Alors, on va mettre quand même peut-être des tables de pique-nique. Ça me paraît logique. Alors, une table à l'ombre. J'arrive plus à parler. Une table à l'ombre. Et une table à l'ombre. Une autre à l'ombre. Et puis on va en mettre une ou deux au soleil. Hop. Allez, on va dire que là elles seront bien. Parce que ça décolle. Ouais. Pas grave. D'accord, bon. Je voudrais pas faire de la pub pour Samsung, hein, mais... Non, c'est bien les tablettes Samsung. C'est bien, mais... Le seul problème, c'est franchement la batterie. Voilà, on va avoir mis une petite charrette pour faire joli. Is horrible. Non, parle pas en guiche comme ça. On dirait Valentin. Oui. Le mec il parle anglais mais en mode français. Enfin, il dit des mots anglais mais en mode français. C'est pas le seul. Alors. Un petit buisson. Oh, ça pourrait être joli ça. Des petits buissons. Petit buisson. On va pas mettre du feu autour de la table de pique-nique. Oui, ce serait un peu. Bon, ça fera un gros feu de camp. Ça fera un barbecue. Pourquoi je peux pas les placer autour de l'espace pique-nique? Non. De quoi? Pique-nique, nique. Bon, ça va. Pourquoi t'as accentué le nique? Je sais pas. Réflexe. D'accord. Bon, voilà. On va fermer la parenthèse. Bon, je crois que les arbustes, je les mettrai tout seul parce que je pense que... Bon, ça va. Je crois qu'on va pouvoir y passer un bon bout de temps, sinon. De toute façon, faut que j'en mette un. Hop. Ça fera plus sympa, un petit coin fermé, posé. Voilà. T'as tout compris. T'as tout compris à la vie, mon petit.
Voilà, bon, on a fait 15 minutes. Bon, ça va. Non, rien. J'ai rien dit. Bon, alors. Onga, je suis en train de battre mon record sur Flappy Bird. Oh non, j'ai fait 10. Tu oses jouer à ce jeu? What? C'est quoi? C'est quoi cette table de pique-nique volante? C'est E.T. qui a pris la table. Je pense. Donc j'ai déjà les arbres ne sont pas volants. What? Si, les buissons. Les buissons sont volants. Et tu passes à travers. Je crois qu'il va falloir qu'on revoie ça. J'ai battu mon record en hors vidéo. J'ai battu mon record sur Flappy Bird, c'est 10. Super. J'ai dû faire 20 et quelques totalement. Mais sur facile. Ouais, bon. La vraie version. Mais après, on peut changer les fichiers et mettre les tuyaux super hauts. Super haut. Je sais bien. Tu peux enlever les tuyaux, n'importe quoi. Ouais. Après, tu fais 5 millions. Bon, bah, sur ces buissons volants. Sur ces super buissons volants. Je crois que juste pour ça, mettez un petit commentaire et puis un petit pouce bleu. Et nous vert. Oui, bon, maintenant je me trompe plus. Le vert, c'est qui? Et puis bah abonnez-vous si c'est pas encore fait et n'hésitez pas à partager parce que plus on sera nombreux, de 1, plus tôt j'aurai un volant et plus tôt j'aurai Farming Simulator 2015 et plus j'aurai envie de jouer. Et plus tôt tu seras sur Internet, plus tôt. D'accord, si tu veux. Surtout que c'est plus reconnu comme une planète, mais oui, on s'en fout. Donc, mettez un pouce bleu et puis bah, abonnez-vous. Et puis, sur ce, bah, je vous dis donc à dans 2 jours sur ce beau bug que je vais essayer de réguler un petit peu. Donc, j'aurais présenté l'espace musée un petit peu vite fait. Je pense que je vous le représenterai d'ici. Bon, c'est bon. Je vous le représenterai d'ici 1 ou 2 épisodes parce que là je vous ai pas tout montré donc Merci. Non. Donc sur ce fou furieux dans mes vidéos, je vous dis donc à dans 2 jours. Ouais, mais il passe à travers ce qu'il y a. Oui. Donc je vous dis donc à dans 2 jours et puis bonne soirée ou bonne journée. Allez, salut les amis. Salut.